Bonjour à tous dans le journal de 13h. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture franco-allemande. Écoutons notre envoyé spécial, Juliette Gros-Perrin à Sarstedt, pour nous parler des habitudes culinaires allemandes. Effectivement, Kira, je suis dans le centre de Sarstedt avec Kimberly qui va nous parler de ses habitudes culinaires allemandes. Kimberly, que mangez-vous au petit déjeuner? Eh bien, la semaine, je mange des toasts avec du Nutella ou de la confiture et le week-end, je mange du poche. Très intéressant, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Interrogeons d'autres passants. Excusez-moi, madame. Puis-je vous poser quelques questions pour la télé? Bien sûr. Tout d'abord, comment vous appelez-vous? Et nous aimerions savoir ce que vous mangez au déjeuner en Allemagne. Je m'appelle Alexandra et en Allemagne, nous mangeons plutôt vers 14h des brötchen, des muesli, parfois des plats chauds. Une dernière question, Alexandra. Que mangez-vous le soir? Le soir, en Allemagne et un peu comme on dit, nous mangeons un plat chaud, mais ne jamais un plat chaud deux fois en une journée. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Très bien, merci beaucoup. Dans quelques minutes, nous rejoindrons Caroline Voss à Lille pour cette fois nous parler des spécialités françaises. Ja genau, ich bin in Lille, wo ich einige Passanten befragen werde. Das ist Sarah. Sarah, was essen Sie zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich Gebäck oder Baguette mit Pomelade oder Honig. Lecker! Und was essen Sie zum Mittag? Ich esse etwas Warmes und danach kannst du mich schon gehen. Gut, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss! Entschuldigen Sie bitte. Ja. Kann ich Ihnen eine Frage zum Thema Information PhD stellen? Ja, ich höre. Ich möchte wissen, was Sie zum Abendbrot essen. Ich esse ein warmes Gericht, zum Beispiel das Fisch. Das ist interessant. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Sendung einiges über Frankreich mitnehmen. Dankeschön. Danke an Juliette Gros-Perrin, Caroline Voss und natürlich die vielen Freiwilligen für diese wirklich interessanten Informationen. Ich wusste gar nicht, dass Franzosen zweimal warm essen. Bis morgen um 13 Uhr bei Information PhD.